Un petit problème dans leur rayon à Auchan. Je vais leur dire. Hein. Regardez, heureusement qu'on vérifie. Hein. Regardez la date. Super. Hein. Coucou. Donc, on est vendredi 4 août et je vous prends pour mon retour de course de début de mois de Auchan. Pour l'instant, j'ai que Auchan. Je vais voir après. Voilà, j'ai pas mis la petite lumière parce que sinon, en fait, ça va faire. Là, il fait un peu sombre, mais ça va faire trop de lumière et j'aurai du mal à vous montrer les articles. Donc, j'ai pris un pack de briques de lait. 6 bouteilles. Non, mais attends. Ouais, 6 bouteilles d'un litre. Enfin, 6 briques. Ouf, c'est lourd. Ah. On va encore être embêté avec les prix. À 5,04€. Ensuite, j'ai pris les croquettes pour Julie, comme d'habitude. Fido Croque Mix, 3 kg. À 6,48€. J'ai pas repris d'eau parce qu'il m'en reste. La litière, pareil. Les boissons des enfants, j'en ai pas repris non plus parce qu'ils repartent demain. J'en reprendrai pour la semaine prochaine. Les croquettes à Luigi, comme d'habitude, c'est vétérinaire. Et on continue, Kenzo. Tu me les avances par terre ou... Oui, ce que tu veux. Je leur ai pris ça pour goûter. Regardez, c'est 4 mini donuts. Voilà, tout simple, hein. 1,20€. Mais moi, c'est au champ. Attends, bah, sinon je vais faire tout seul. Ensuite, j'ai pris, parce qu'il y avait une date limite, donc j'en ai profité. Voyez les. Bah, tu vas me les passer après. Les brochettes de steak haché Tex-Mex. Donc, il y en a 4. Ça sera pour ce soir. Date limite jusque demain. Donc, moins 30%. 3,77 au lieu de 5,39. Tu fais pas? Bon, je fais. Je me suis pris une petite boisson, comme d'habitude, à 59 centimes. Parce qu'en fait. Il fallait que mes courses fassent 50€ parce que j'avais un bon de 5€. 5€ de moins pour 50€ d'achat. Donc, il manquait quelques centimes. Donc, voilà. Alors, pour leur déjeuner, j'avais presque plus de confiture et chocolat. Donc, j'ai repris un pot de confiture de fraises. Marque Auchan, 360 grammes. À 1,29€. Ensuite, du coup, j'ai repris du chocolat à tartiner. Attendez. Désolée, c'est très compliqué avec les enfants qui sont énervés. Donc, je ne prends pas du Nutella, c'est trop cher. Donc, je prends de la pâte à tartiner. Normal. Donc, c'est un pot de 400 grammes. À Ah, ça va être compliqué. 2,30€ hein, quand même. Donc du coup, je leur ai pris, pour changer un peu des pains au lait, je leur ai pris des briochettes. En fait, c'est comme des pains au lait, mais c'est rond, quoi. Hein ouais. Donc au discount, 12 briochettes pour 1,79€. Parce que là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu l'occasion d'aller à Carrefour. Donc, j'ai pris ce qu'il me fallait. Donc, voilà, briochette avec soit de la confiture, soit du chocolat à tartiner. Ensuite, et bien sûr, j'ai repris 2 pots de mayonnaise. Bon, 2, c'est pas assez pour le mois, mais j'en ai déjà pris 2. C'est déjà ça. Donc, c'est les pots pouces, 470 grammes. Et le pot coûte 1,35€. Ça parce que c'est beau. Vous voyez la sauce aux champignons qu'ils font maintenant en marque Auchan qu'on a du mal à trouver en Bourduel ou enfin voilà, champignons à la normande à poêler. Donc c'est une boîte de 380 grammes, c'est délicieux en sauce sur ce que vous voulez, des pâtes, des frites, du riz, des pommes de terre. Elle est bonne à la normande. Et ça, c'est 2,07€. J'ai repris une petite boîte de ratatouille.
Donc une petite boîte de ratatouille, marque Auchan, poids net 375 grammes, c'est pour ce soir. Je vous dirai notre pas après. Donc la ratatouille, 1,30€. Ensuite, j'ai repris deux bouteilles d'huile. Alors je me suis pas embêtée, huile de scie, huile de soja, j'ai pris la moins chère des moins chères, c'est juste pour changer l'huile de ma friteuse. Donc c'est pouce, huile de colza, 1 litre. Et la bouteille est à 2,25€. J'ai repris un paquet de pâtes, macaroni, marque Auchan, tout ça, 500 grammes. À normalement 85 centimes. Ensuite, au discount, j'ai pris quelques-unes des viandes que je peux conserver. Donc, j'ai repris un saucisson halal au bœuf à 2,56 €. Rien à voir, c'est rien, c'est Aaron qui me les avance, mais pas dans l'ordre. Les protections, comme d'habitude, deux paquets, marque Auchan. C'est les maxi, il y en a 18 dedans. Le paquet est à 1,45€. Ensuite, les saucisses. Donc 10 saucisses hot dog. Voilà, tout simplement. À 1,29€. Comme d'habitude, le fameux chorizo en tranches, en fines tranches. Il y a une trentaine de tranches. Donc, comme d'habitude, c'est soit pour faire une purée au chorizo, soit des pas pizza. Donc, le chorizo, alors là, il n'y a plus d'erreur. Tous les mois, je leur dis, ça passe pas au bon prix. Bah, du coup, ça y est, ils ont changé, mais au plus grand prix. 1,20€, si je ne me trompe pas. Ouais. Parce qu'en fait, c'est écrit 1,09€ et à chaque fois, ça passait à 1,20€. Donc, tous les mois, je leur disais, mais non, c'est 1,09€. 1,20€. Bref. Ensuite, il manque plein de choses. Hein. Je vous dis, il manque plein de choses. J'ai repris les pas hot dogs. Donc, pour faire quoi? Des hot dogs. Mais quand? Non, pas cette semaine. Les pas hot dogs, comme d'habitude, au rayon discount, qui sont pas bien chers. 1,19€ les 4. Je sais pas quoi faire après. J'ai repris deux boursins. Alors attendez, je vais vous expliquer. D'habitude, j'en prends qu'un pour les sandwichs. Mais là, j'en ai pris deux. Donc, les boursins, les fromages, ail et fines herbes à tartiner. C'est pas la marque boursin. Au rayon discount. C'est des pots de 150 grammes. Et le pot est à 90 centimes. Alors, un pour faire des sandwichs. Et un, parce que j'aimerais faire une sauce au boursin. Une idée de repas que j'ai, c'est des pâtes avec des boulettes et une sauce au boursin. Donc c'est pour ça que j'en ai pris qu'une parce que ça me sert vraiment rarement et ils vendent par une. Une crème légère fluide pousse pour cette fameuse sauce à 63 centimes. Il reste plus grand chose, malheureusement, parce qu'il manquait plein de choses. Alors, je leur ai repris, enfin, ça c'est surtout pour Aaron, les petites gaufres à la vanille. Aaron. Merci. Il y en a 5, parce que les autres ils préfèrent au chocolat, mais Aaron il ne veut pas, il veut à la vanille. Donc, les 5 gaufres à la vanille, au rayon discount aussi, qui sont à. 69 centimes. Des frites. Là, je n'ai plus de pommes de terre en ce moment. Je pense en racheter pour la semaine prochaine. Mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas eu l'occasion. Donc, j'ai repris un paquet de frites fraîches qui sont très bonnes. L'ustu cru, la frite fraîche. Donc, c'est au rayon frais où il y a les cordons bleus, tout ça, les gnocchis. Enfin, c'est à côté. Mais on en trouve. Déjà, il y a qu'à Auchan que j'en trouve. Et en plus, il n'y en a pas toujours. Mais bon, au cas où ça vous intéresserait. 750 grammes et c'est pas donné, mais bon, 3,73€. Voilà. Ensuite, ils se sont pris comme d'habitude leur petite boisson, donc Mio, un tropical.
Aïe. À 49 centimes. Et les garçons se sont pris un cola. Tiens. À 45 centimes. Et c'est tout. Donc j'en ai eu pour 50 euros, 0,6. Moins 5 euros du fait que j'avais un bon. Alors il va me manquer pas mal de choses. Je ne vais pas vous dire ce qui me manque. Mon fameux gruyère. Alors vous aurez vu en tout début de vidéo, je vais vous mettre une petite image. Je vous l'explique maintenant, je suis pas contente, vraiment pas, parce que je sais pas, je m'en vais pour prendre mon fameux gruyère que je prends toujours le même. Et heureusement que je regarde la date. Hein. Plus bon depuis le mois de mai, quoi. C'est fou. En plus, c'était le dernier, donc j'en ai pas pris. J'ai dit à la personne dans le rayon à côté, hein, j'ai dit faites remonter, parce que moi je trouve ça inadmissible. On regarde pas, alors les gens ils vont pas forcément regarder les dates. Vous mangez ça, vous êtes malade, et puis ça sera de la faute à personne. Faites attention, hein. Je l'ai dit à mon père, parce que lui, il fait pas attention quand il fait ses courses. Voilà, ça m'a stressé. Mais voilà, c'est fou, quoi. Depuis le 26 mai, il y aurait pas quand même un petit problème. Je sais pas, après, c'est leur métier, normalement, de faire attention. Alors, je sais, hein, je suppose bien que ça doit pas être un métier facile, la mise en rayon, etc., hein, j'imagine. Mais bon, après, c'est nous qui pouvons être malades, et voilà. Bref, c'est dit. Au champ Valenciennes, 59 300. Donc, sur ce. Ouais, donc ce soir, je vous ai peut-être pas dit. Donc ce soir, ça sera frites, ratatouille et brochette de steak haché. Ça vous plaît? Ouais. Ouais, pour le dernier. Ouais. Donc, je ne sais pas si... Bon, je vais pas clôturer la vidéo, en fait, parce qu'elle n'est pas très longue. Et que j'ai encore des courses à refaire dans les jours à venir. Donc, soit à Carrefour. Enfin, je vais voir. Parce qu'après, si c'est 2-3... Combien de temps de vidéo? 12 minutes. Ok, merci. Si c'est 2-3 articles, je mets dans mon vlog semaine. Mais là, il me manque plein de choses, quoi. Donc, en fait, je sais pas. Je vais faire comme si je la clôturais. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Et ben je vous laisse, mais il y aura peut-être une suite juste après. Donc on verra bien, hein, vous verrez. Allez, des gros bisous, à très bientôt. Donc du coup, je vous reprends pour un micro-retour Carrefour. À la base, j'aurais pu le mettre dans mon vlog semaine, mais là, vu que c'est des achats que je peux conserver, donc que j'achète quasiment tous les mois, quoi. Je vous les montre. Voilà, il y a 4-5 articles. Voilà. Donc, j'y suis allée ce matin. Alors, j'ai repris de la purée mousseline, comme d'habitude. Toujours bien utile. Toujours bien utile. Donc, c'est la boîte où il y a 4 sachets de 4 personnes. Et bon, j'ai pas recomparé les prix. C'était soit Auchan, soit Carrefour. Elle était moins chère, oups, à Carrefour. Donc, la purée, 2,19 €. Elle était passée à 2,29 €, mais je leur ai dit à la caisse, et... Ah bah oui, hein, 10 centimes, c'est 10 centimes. Donc, c'est 2,19 €. Ensuite, j'ai pris pour les enfants, pour la semaine prochaine, parce qu'avant, il y en a d'autres à finir. Grenadine. Donc, celle-là, elle est bien, parce qu'elle est pas chère. Elle est bonne, hein, vous aimez bien. Simply, 1 litre. Donc, sirop de grenadine à 1,99 €. Ensuite, j'ai repris, parce que ça, je peux conserver sans mettre au frigo, 4 compotes de pommes, comme d'habitude, Simply à 55 centimes. J'ai pris une sauce béchamel. Alors, maintenant, je prends celle-là. C'est pour un prochain repas, la semaine prochaine. Vous verrez ça dans mes vlogs semaine. Donc, avant, je prenais toujours la Carrefour, parce qu'elle était bonne, elle avait du goût, il y avait aussi de la noix de muscade dedans, mais ils en font plus. À Auchan, ils vendent que de la Knorr, je crois, mais la Knorr, elle est fade. Et celle-là, elle est pas mal. Donc, Magie, béchamel, il y a 350 millilitres, et elle coûte 2,05 €. Et pour terminer à Carrefour, ça c'est pour ce midi, dernier midi avec les enfants. Donc tout simplement,
j'ai repris les cheeseburgers surgelés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, désolé, je suis un peu enrhumée. Au rayon discount de Carrefour en surgelé, ils sont bons. Par exemple, à Auchan, ils en font, mais c'est pas les mêmes. Et ils sont pas bons. Donc, ceux-là, voilà. 6 cheeseburgers surgelés à 4,49€. Donc, voilà pour le petit retour Carrefour. Bien sûr, je vais y retourner à Carrefour. Hein, mais après, c'est dans mon vlog semaine parce que c'est du frais. Je peux pas prendre maintenant les yaourts, les viandes et tout et tout. Là, c'est vraiment les courses principales. Voilà. Donc là, je vais vous laisser, mais il y aura encore une petite suite. Donc restez là et je reviens bientôt. Re et re. Donc je vous prends pour la dernière partie de cette vidéo de mes courses. Donc action, j'ai pas pris des masses, hein. J'ai pris juste ce qu'il me fallait. Donc voilà, alors, les petites boissons, comme d'habitude, Energy Drink à 48 centimes pièce, j'en ai pris 4. Par contre, c'est la dernière fois que je vous les présente. Parce que bah maintenant, oui, j'en achèterai encore, mais je ne vous les montrerai plus. Parce que je me suis pris quelques pics de plusieurs personnes sous d'autres vidéos. Et j'ai pas envie de m'embêter. Donc voilà, vous les voyez. Vous les verrez plus. Ensuite, j'ai repris le fameux liquide vaisselle Peck Boost. Alors celui-là, c'est citron, fruit de la passion. En fait, à chaque fois, je prends soit le jaune, soit le rose. J'alterne. Le jaune, je crois que c'est citron pamplemousse. Donc là, j'ai pris le rose. Il est super, il dégraisse bien, il sent bon, il n'y a pas de souci. Et il coûte 1,48€. Oui, les tickets d'action sont toujours aussi super à regarder. 1,48€. Ensuite, j'ai repris des largettes pour les petites mains et les petites bouches des enfants. Donc toujours avec le... Parce que sinon, ça sèche trop vite. Hein. Alors, il n'y en a pas des masses dedans, mais c'est suffisant. Donc les largettes visage et mains. 40 largettes à 99 centimes. Ensuite, je nous ai repris des brosses à dents. Donc, ouais, il faut changer quand même régulièrement. Hein. Parce que, alors déjà, moi, Kenzo et Mio, je sais pas ce qu'ils font, mais à chaque fois, leurs brosses à dents, elles sont comme ça. Tous les poils, ils partent de tous les côtés. Aaron et moi, non. Non, elles restent normales. Donc, toujours des softs. Moi, je suis obligée par rapport à mes gencives. Et vu que c'est des enfants, c'est toujours mieux du soft. Donc, j'avais pris les mêmes la dernière fois. Donc, Colgate, il y en a 4. Et c'est 1,47€. Je les ai reprises parce qu'elles sont pas bien chères, qu'elles font leur travail. Par contre, je les trouve petites. Vraiment petites. Je trouve qu'elles sont moins longues que d'autres. La dernière fois, j'avais acheté les mêmes. Bon, pour les enfants, c'est suffisant. Hein, c'est des enfants, ils n'ont pas des grandes bouches. Mais pour moi, comment dire, quand je l'ai utilisé la première fois, quoi, la dernière fois que j'en ai acheté, ça m'a gêné, je trouvais que c'était trop petit. Et puis, je me suis habituée à faire avec celle-là, donc voilà. Je vous ai dit le prix ? Ouais. 1,47€, oui, je vous l'ai dit. Ensuite, je leur ai repris, comme d'habitude, les petites gourdes, là, multifruits pour déjeuner le matin. Donc, il y en a 8. Et en ce moment, je crois qu'elles sont dans les offres. 1,75€. Ensuite, je leur ai pris des... Je leur en avais déjà pris, ils avaient aimé. Des petites tartes aux pommes. Tartelettes aux pommes. Donc, il y en a 6. Ça leur en fera 2 chacun. C'est costaud quand même. Hein. 300 grammes les 6 tartelettes. Et c'est
1,39€. Oh là là, il fait sombre d'un coup. Comme, c'est comment dire? Chez moi, c'est comme ça. Hein. J'ai rien changé à la lumière, mais... Voilà. Et pour terminer, bon, j'ai acheté d'autres choses, mais je vous en parle pas pour le moment. J'ai repris un papier cadeau. De toute façon, il va m'en falloir plusieurs. Mais je l'ai trouvé sympa. Alors du coup, je sais pas si vous verrez bien. Ouais, c'est avec des tigres. Vert avec des tigres. Donc quand j'en vois un beau, je le prends. Ah, après, il n'y a pas énorme. Hein. 300 x 70 cm. À 3 mètres. Mais 3 mètres, quand on fait des cadeaux, ça va vite. Hein. Et le papier cadeau est à 86 centimes. Donc voilà pour mes petites courses de début de mois, hein, on va dire. Je vous avais déjà fait la conclusion, mais je vous en refais une petite vite fait. Donc, vous retrouverez beaucoup, beaucoup plus de courses tous les jours, quasiment, dans mes vlogs semaines, mes vlogs, quoi, je fais pas... Enfin, en ce moment, j'en fais un peu plus qu'à la semaine. Bon, bref, vous me comprenez? Dans mes vlogs, il y a des retours de courses tout le temps. Pour le frais, surtout. Donc, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, aimer, commenter gentiment. Plein de gros bisous et à très bientôt !